أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces cachées et visibles. Nous lui disons merci et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala également d'accroître toujours ses bienfaits sur nous, car il nous a ordonné de le louer et remercier, et il nous a promis également que si nous le louons et le remercions, il va nous accroître. Donc Allah, nous t'avons remercié, accrois-nous tes bienfaits, inshallah ta'ala, accrois pour nous tes bienfaits. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accroît notre connaissance, qu'il nous accorde longue vie et la santé. Alhamdulillah, le chapitre d'aujourd'hui dans le livre Al-Akhdari, Faslun fit Tahara, chapitre de la purification rituelle. C'est-à-dire que tout ce que nous avions fait, c'était la préface, c'était le début, avant de rentrer même dans le vif du sujet, qui est la jurisprudence dans le domaine des actes de l'adoration, tels que la prière, la purification et autres. Donc aujourd'hui, le chapitre, c'est At-Tahara, la purification. Dans la purification, on peut entendre aussi la propreté. Mais quel genre de propreté? C'est rituel. Quand on dit rituel, c'est relatif au rite, c'est-à-dire à la religion. C'est pas souvent dans notre logique. Quand tu prends le savon, tu laves ton corps, c'est propre. C'est pas forcément ce sens-là. C'est le sens rituel, c'est le sens religieux. Donc, tu peux laver ton corps avec le savon, mais la religion te dit que c'est pas encore propre. Souvent, tu as fait la purification rituelle sans le savon, mais on te dit que c'est propre. Donc il faut comprendre dans le sens de la religion. C'est une purification rituelle. Et la purification en islam se subdivise en deux grandes parties. La première partie, at-taharatul batiniya. La deuxième partie, at-taharatul zahiriya. La purification interne et la purification externe. La purification de ton fort intérieur et la purification du corps. Et la purification interne est plus importante. J'ai dit bien plus importante. Je n'ai pas dit que la purification interne est importante. Sinon, ça va vouloir dire que la purification externe n'est pas importante. Non. La purification interne est plus importante que la purification externe. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas en premier lieu le côté externe, le corps. Allah regarde le cœur. Et quand on dit la purification interne, c'est du cœur on parle. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jasadi la mudgha. Il y a une chair dans le corps humain. Iza saluhat saluhal jasad kullu. Lorsque cette chair est bonne, tout le corps va suivre. Wa iza fasadat fasadal jasad kullu. Lorsque cette chair est mauvaise, le corps va forcément suivre. Ala wa hiya al-qalb, c'est le cœur. Donc en islam, la première purification qui nous est demandée,
c'est de purifier ton cœur, de purifier ton âme. Purifier ton cœur, d'abord du shirk, l'associationnisme. Associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas être quelqu'un en islam qui dit « Ashhadu Allah ilaha illallah ou ashhadu anna Muhammad rasulallah ». J'atteste qu'il n'a de Dieu à part Allah dans la langue, pourtant ce n'est pas dans ton cœur. Donc, « al-imanu tasdiqun awalan bil qalb ». Quand on dit la foi, c'est de purifier son cœur. En croyant à Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur d'abord. Ensuite, avec la langue. Ensuite, avec les organes, les membres. Donc, il faut purifier son cœur de l'associationnisme. Il ne faut pas devant les gens, tu es musulman dans ton cœur, tu crois à autre chose à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a l'associationnisme et il y a la mécréance. Ash-shirk wal kufr. L'associationnisme, c'est de croire en Allah ajouté à autre chose. Que franchement, je crois en Allah. Allah, il est un, mais il ne peut pas me donner enfant. Ou bien Allah, il est un, mais lui seul, il ne peut pas tout faire. Il faut invoquer un ange. Ou bien un autre esprit quelconque. Non. Ça, c'est de l'associationnisme. Et Allah n'aime pas. Et il y a la mécréance. Être typiquement mécréant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut purifier le cœur de tout cela. Également, il faut purifier le cœur de la jalousie, de la haine, de toutes choses vilaines relatives au cœur. C'est ça qu'on dit un musulman. Le musulman est celui dont son cœur est pur. Et c'est ce qui se voit à l'extérieur maintenant. C'est pourquoi quand le prophète est venu alayhi salatu wassalam, avec l'islam à la Mecque durant 11 ans, il n'a fait que prêcher l'unicité d'Allah et il n'a fait que éduquer le côté spirituel, le cœur des musulmans avant que les autres lois vont suivre. Donc, le musulman doit tenir compte de cette purification. C'est très très important. Sinon, tu vas voir que c'est un musulman, mais il n'a que le nom musulman. C'est pourquoi le prophète dit khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam. Un homme bon avant l'islam, c'est celui-là qui va continuer d'être bon même étant musulman. C'est-à-dire qu'il avait déjà les bons comportements. Il avait déjà l'habilité à accepter les enseignements islamiques. Quand il devient musulman, tu vois qu'il devient plus bon encore. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc la purification interne. Ensuite, la purification externe, c'est-à-dire qui est relatif à tout ce qui est dehors, le corps et tout. Les livres de fiqh s'intéressent beaucoup à cette purification externe. Mais la purification interne, c'est les livres de tawhid, de l'unicité d'Allah, qui s'intéressent à ce côté, à ce domaine-là. Donc quand l'auteur du livre, Cheikh Al-Akhdari, dit ici, Faslun fi Tahara, chapitre de la purification rituelle, il parle de la purification externe. Parce qu'on suppose que le bon musulman, déjà, le fort intérieur était déjà bon. On t'enseigne maintenant les enseignements de la jurisprudence relatives aux adorations, aux actes de l'adoration. Et donc, il nous dit « At-Tahara tu Qisman ». La purification externe là se subdivise encore en deux parties. Toharatu hadathin wa toharatu khabas. La purification de hadas et la purification de khabas. On va emprunter comme ça le mot hadas de l'arabe vers le français, khabas également. Parce que dans l'étymologie des sens de ces mots là, al-hadasu najasatun wal khabasu najasatun illa anna al-mustalahayni ustukhdima fil fiqh istilahan li ma'nan khas. Le mot al-hadas veut dire la souillure. Al-khabas également, c'est une souillure. Et les deux veut dire la même chose. Seulement que dans les jargons des fuqaha, al-hadas est une souillure typiquement
rituel. C'est pas une souillure visible. Al-hadasu, c'est l'état du corps impur. C'est pas la saleté elle-même. Quand on dit al-hadas, najasatun hukmiya, yani lisat najasatun haqiqiya. Innama hiya najasatun hukmiya fi hukmin najasa. Quand on dit dans le fiqh que ton corps bihi hadas est souillé avec la souillure des hadas, ce qui veut dire que c'est une souillure qu'on ne voit pas. L'exemple, quand tu fais l'urine, tu as fait pipi, ton corps est souillé. Pourtant, l'urine n'a pas touché le corps. Tu vas beau te laver avec le savon, avec toutes choses ou bien toutes sortes de purifications, tant que tu n'as pas fait la purification rituelle islamique, tu n'es pas pur. On te dit toujours qu'il y a la saleté. Pourtant, tu t'es déjà lavé. Où est la saleté? C'est-à-dire que ce n'est pas une saleté visuelle, c'est une saleté rituelle. C'est ce qu'on appelle al-hadas. Quand tu vas à la selle, tu fais les besoins, tu t'es déjà nettoyé. On dit que tu es sale. Tu ne peux pas toucher le Coran. Tu ne peux pas faire la prière. Pourtant, on ne voit pas de saleté dans ta main. Tu t'es déjà lavé, tu t'es bien lavé, mais on dit que tant que tu n'as pas fait les ablutions, tu ne peux pas toucher au Coran. Et regardez très bien, pour savoir que c'est une saleté rituelle, religieuse, si tu es couché, tu as fait déjà l'urine. On dit que tu es sale, mais tu t'es déjà nettoyé, mais tu n'as pas fait l'ablution. On ne peut pas mettre le Coran, même sur ton ventre. Mais quand tu fais l'ablution, est-ce que tu laves ton ventre? Tu ne laves pas. Mais quand tu finis de faire l'ablution, tu as lavé certaines parties seulement, le ventre là est devenu automatiquement pur. Tu peux mettre le Coran sur ton ventre. C'est pour te dire que ce n'est pas une suivi logique. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est ce qu'on appelle al-hadas. Maintenant, al-khabas, c'est la saleté physique. L'urine, la selle et toute chose, tout corps impur, considéré impur dans la charia. C'est ce qu'on appelle al-khabas. Quand c'est collé à ton corps, ou bien à ton habit, ou bien ton lieu de prière, on dit il y a khabas. Je reviens là-dessus. Il faut bien comprendre. Le corps, l'externe, le corps extérieur de l'homme là, a besoin de deux sortes de purification avant de faire un acte d'adoration. Parce qu'il y a deux sortes de souillure aussi. Il y a la souillure appelée al-hadas qui est causée par la sortie de certaines matières du corps. Lorsque ces matières-là sortent, le corps est automatiquement impur de la souillure de al-hadas. Et ça nécessite une manière spécifique de purification avant que le corps ne devienne pur. Et cette manière de purification, soit l'ablution, la petite ou la grande ablution, ou l'équivalence des deux qui est le tayammum. Al-hadas, quand l'urine sort, ou bien on laisse le vent, ou bien la matière al-mal, ou bien al-wad, ou bien al-mani, le sperme, on dit le corps est automatiquement souillé. Donc, si c'est l'urine, le vent, al-wazu, al-madiou, la selle, on fait la petite ablution. Si c'est al-mani, le sperme, on fait la grande ablution. Mais al-khabas, c'est la saleté, c'est la souillure physique que tu vois, c'est-à-dire que l'urine même est collée à ton corps, ou bien la selle, ou bien le sperme, ou bien les matières appelées al-wadi ou bien al-wadi. Maintenant, comment purifier, ou bien avec quoi il faut purifier ces souillures-là?
Il dit wala yasihu al-jami'u illa bil-ma. Que ça soit la suie al-hadas ou bien la suie al-khabas, on ne peut pas faire la purification de ces suies qu'avec de l'eau. Quel genre d'eau? Il y a cette question qui se pose. Toute sorte d'eau? Non. Bilma et tahir, une eau pure. Est-ce que ça suffit? Non. Une eau pure et purificatrice. Bilma et tahir al-mutahir. Une eau pure, une eau purificatrice. Toute eau n'est pas pure. Toute eau pure ne peut pas purifier. Donc il faut connaître les qualités d'eau. Aqsamul miyah. Donc il nous a donné les qualités ou bien la qualité de l'eau qu'on prend pour faire la purification rituelle. Alma ou tahir, une eau pure, al-mutahir. Mais quels sont les critères qui doivent être remplis dans une eau pure et purificatrice? Il dit wa huwa alladhi lam yataghayyar lawnuhu aw ta'muhu aw ra'ihatuhu. Quand dans la charia, dans la religion islamique, on dit telle eau est pure et purificatrice, il y a trois conditions qui doivent être remplies dans cette eau. La première condition, le goût n'a pas changé. Deuxième, la couleur. Troisième, l'odeur. Quelqu'un va poser la question, est-ce que l'eau a une odeur, l'eau a une couleur, l'eau a un goût? Les scientifiques disent non. Mais lorsque dans le livre religieux on dit le goût, la couleur, l'odeur n'a pas changé, on veut dire la couleur naturelle. L'odeur naturelle. La couleur, l'odeur et le goût naturel. Quand tu vas au désert, dans le désert, dans le pays désertique, la couleur de l'eau ou bien le goût peut être différent quand tu viens dans la savane. Il y a des terres qui sont naturellement rouges. L'eau va prendre la couleur de la terre. Il y a les terres qui sont naturellement salées. L'eau va prendre le goût de la terre. Donc, le goût naturel de l'eau à cause de la terre, ou bien la couleur, ou bien l'odeur, lorsque cela n'a pas changé, c'est ce qu'on appelle une eau pure et purificatrice. Donc toute eau qui n'a pas changé sa nature, toute eau que sa nature n'est pas changée, même si elle est salée, même si elle est rouge, même si elle a une odeur vraiment qui n'est pas trop souhaitée, mais c'est sa couleur naturelle ou bien son goût naturel ou bien son odeur naturelle, c'est considéré en islam comme une eau pure et purificatrice. Regardez la différence. Ton habit blanc, tu n'oses pas laver ton habit blanc avec une eau qui a une couleur rouge à cause de la terre. Mais la charia dit que tu peux prendre cette eau-là pour faire ta purification rituelle. Tu vois comment la purification ici est rituelle et religieuse. Ce n'est pas une affaire logique. Notre logique là. Tu vas quelque part, on creuse la terre, il y a une eau mais qui a un goût qui n'est pas très souhaité. La charia dit que tu fais l'ablution avec, tu pries avec. Mais peut-être que tu ne vas même pas utiliser pour la nourriture, tu ne vas pas boire. Quelle est l'importance de connaître cela? Quelqu'un va dire que, ah mais comme l'eau là est sale, selon lui, parce que la terre là, ce n'est pas bon, l'eau a une odeur bizarre, donc moi je ne vais pas faire l'ablution, je vais faire tayammum. La charia dit non, tu n'as pas le droit de faire tayammum. Il faut prendre cette eau qui a une odeur bizarre là, tu fais les ablutions. Si tu fais le tayammum, ton tayammum n'est pas accepté. À moins que ça ait un impact nocif sur la santé. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique.
Donc une eau considérée, une eau pure, purificatrice dans la charia, c'est celle que le goût n'a pas changé, l'odeur et la couleur. Ce n'a pas changé aussi par une chose, bima yufariquhu ghaliban, qui est absent généralement à l'eau. Quelque chose qui n'est pas lié à l'eau, généralement. Quelque chose qui est toujours loin de l'eau, généralement. Parce que si la chose est liée à l'eau, le changement ne fait rien. Quand on prend par exemple azeit, l'huile, est-ce qu'il y a une terre que quand tu crées, voici l'huile, voici l'eau? Non. On sait que l'huile vient d'ailleurs. C'est étranger de l'eau. Également, assam, le beurre clarifié. Également, adassam, tout corps gras. Walwada, le suin, c'est-à-dire les excréments et l'urine qui sortent des animaux qui sont collés à leur peau. Assaboun, le savon. Alwasakh, toutes choses impures. Tout cela sont étrangers à l'eau. Donc quand ils changent la couleur de l'eau, ou bien son goût, ou bien son odeur, l'eau devient automatiquement, ça n'est plus purifié. Mais les choses qu'on a citées tout de suite sont réparties en deux groupes. Est-ce que l'huile est une matière souillée? Non, sinon on n'allait pas utiliser dans la consommation. Mais l'urine, par exemple, c'est une matière souillée, c'est une souillure. Donc, voici ton eau dans le seau, ou bien dans le bouilloire, ou bien dans un récipient quelconque. Il y a l'huile qui est versée dedans, qui a changé son goût, ou bien sa couleur, ou bien son odeur. L'eau n'est plus purificatrice, mais n'est pas impure. Tu peux prendre cette eau-là pour utiliser dans d'autres choses qui n'est pas la purification rituelle. L'eau est là, le savon est tombé dedans, ou bien le savon en poudre homo est versé dedans. Tu peux prendre pour laver tes habits, pour faire autre chose, mais tu ne peux pas prendre pour faire l'ablution ou bien la grande ablution. Mais l'eau n'est pas impure. C'est pourquoi il dit allemand ou tohir, l'eau pure et purificatrice. Quand une chose étrangère vient mélanger le goût et l'eau et change son goût ou bien son odeur ou bien sa couleur, mais cette chose-là est pure, l'eau reste pure, mais ne peut pas purifier. Mais si la chose qui vient mélanger l'eau, elle est naturellement souillée, telle que l'urine, donc l'eau n'est plus pure, par conséquent ne peut pas purifier. Il faut bien comprendre la jurisprudence islamique. C'est pourquoi depuis le début on a dit, c'est des choses dans lesquelles il faut prendre les notes, il faut réviser, il faut poser de ça régulièrement. Il faut parler de ça. Naam. Wa alaykoum salam. Très très important. Oui. 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 Très bien. Une question très importante du frère. On a dit que l'eau ne doit pas être mélangée par une matière quelconque, pure ou impure, si elle est étrangère à l'eau. Lorsque la matière est pure, qui est étrangère à l'eau, qui vient mélanger la couleur ou bien l'odeur, l'eau devient automatiquement n'est plus purifiée, même si elle reste pure. Or, pourtant, aujourd'hui, l'eau que nous utilisons à partir des robinets sont traitées par des matières chimiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut faire la grande ablution avec les savants de notre époque? On fait la fatwa, ils disent que oui. Parce que dans le temps, il n'y avait pas ce mode de vie. Et ces matières-là qui sont utilisées, tu vois, le goût ne reste plus dans l'eau, ni l'odeur, ni la couleur. Quand tu prends le robinet,
souvent si c'est maltraité, bien sûr, tu peux voir, tu peux sentir l'odeur ou bien de ces matières chimiques. Sinon, la plupart des temps, tu ne sens même pas. Donc, les savants de notre époque ont fait la fatwa et disent qu'il n'y a pas de problème. C'est compris? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Oui? Qui est relative au chapitre? Très bien, très bien. Oui. 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 Bon, certains parmi eux, quand ça commence par sortir, oui. D'autres, ils restent. Le débat était ouvert. Oui. Bon, et ça, ça a départagé tout le monde. Oui. Mais l'imam est intervenu. Oui. Il a dit que ça, par exemple, c'est involontaire. Bien sûr. C'est cette maladie de la prostate là. Oui. Oui. Qui a amené les contenants urinaires. Oui. Que ceux qui sont sortis, ils ont dormi. Ils n'ont pas continué. Ils n'avaient pas continué la prière. Oui, oui. Alors, je demande votre point de vue pour ça. Merci beaucoup. L'imam a raison. Parce que la maladie est involontaire. C'est un cas de force majeure. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à aucune âme un fardeau qu'il ne peut pas supporter. La maladie de la prostate, l'urine qui vient, ça vient involontairement. Mais il y a une autre chose dans l'affaire. Si il y a des chakos ou des trucs comme ça pour bloquer l'urine, pour ne pas que ça verse dans la mosquée, il faut rester dans la prière, il faut continuer. Mais si on n'est pas protégé et on a peur de suyer la mosquée, il faut vite sortir. Sinon, au Hajj là, ceux qui ont fait le Hajj, le Tawaf, ils savent. Souvent, tu es dans le Tawaf, tu vois même la salité même. Donc, c'est mieux, lorsque ça vient qu'on n'est pas protégé, on sort. Mais si on est protégé, on reste dans la prière. Mais le cas de celui-là, avant chaque prière, il doit faire l'ablution. Avant chaque prière, il fait l'ablution. Quand on donne la bonne compréhension. J'ai répondu à la question. Bien, donc, aujourd'hui, nous n'allons pas traiter de sujet. On va pas prendre une question pour expliquer. Nous allons rester dans ce sujet. Wa alaykoum salam. Nam. Wa alaykoum la. Nam. Lorsque le sucre est déversé par exemple dans une eau, le sucre est pur ou pas? C'est pur, sinon on n'allait pas consommer. Lorsque le sucre est versé dans une eau, mais il y a une condition, la quantité du sucre a changé le goût. C'est très important, la quantité du sucre a changé le goût ou bien l'odeur ou bien la couleur de l'eau. L'eau devient impurificatrice, mais pas impure. L'importance de ça, c'est que tu as une eau pure qui n'est pas changée. Il ne faut pas laisser cette eau pour prendre celle qui est déjà mélangée par le sucre. Mais si une petite quantité est versée, ça ne fait rien. C'est ce qui nous mélange souvent. Sucre benala, le sucre est tombé dedans. Mais le sucre est tombé dedans, ça n'a pas changé ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur. On laisse. Et souvent, il n'y a pas une autre eau. On va laisser l'air de la prière va passer. Non. On est dans l'erreur. Et même l'eau encore. Lorsque l'enfant, il fait urine, pipi dans l'eau.
Mais la quantité de l'urine n'a pas changé ni la couleur, ni l'odeur, ni la couleur de l'eau. S'il n'y a pas une autre eau, il faut faire l'ablution avec cette eau. Mais s'il y a autre eau, dans ce cas macro, il est déconseillé de faire l'ablution avec cette eau. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il y a une différence aussi entre une petite quantité d'eau et une grande quantité d'eau. Parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ. Lorsque l'eau atteint deux coulants, et les savants disent que ça fait 600 litres d'eau, selon certains savants, parce qu'il y a une divergence dans la conversion des deux coulants par nos litres d'aujourd'hui, 600 litres, ça ne peut plus être souillé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, nous avons défini d'abord la purification. On a donné l'explication sur la purification. On a divisé la purification en deux parties, interne et externe. Et l'externe encore, deux parties. Al-Hadas, Toharatul Hadas, Toharatul Khabas. On a utilisé les termes Hadas, Khabas de l'arabe en français. Parce que c'est ce qui donne la bonne précision. Parce que la traduction ici n'est pas aussi importante. Et il n'y a que l'eau pure purificatrice pour purifier la souillée Hadas et la souillée Khabas. Donc, l'eau pure purificatrice, c'est une eau qui n'a pas été changée par que son goût n'a pas changé, sa couleur ou son odeur, par une matière étrangère à l'eau, que cette matière soit naturellement pure ou bien impure. Ce qui fait qu'il y a trois sortes d'eau. Al-ma ul-mutlaq, al-ma ul-tahir, ghair al-mutahir, ou al-ma ul-najis. Une eau pure purificatrice qu'on appelle al-ma ul-mutlaq, une eau pure mais qui n'est pas purificatrice, une eau souillée. Il y a trois sortes d'eau. On fait les ablutions, la petite et la grande, avec l'eau pure et purificatrice. L'eau pure qui n'est pas purificatrice, on ne fait pas de l'ablution avec, mais on peut utiliser dans les choses ordinaires, qui n'est pas dans le cadre de l'adoration. Et l'eau souillée, on n'utilise même pas ni dans l'adoration, ni dans autre chose. Donc on va revenir rapidement, c'est ce qu'on a dit en Bambara. Bika walada, ambe kumana bunda mina oye sanya bunda yi. Sanya yi suya flali. Konona sanya, ani kenemala sanya. Slamaya konona, konona sanya aloro ka bun katemi. Kenemala sanya kan. Nika meko konona sanya, oleye ka jusune sanya. Kabo flanga fuyama, kabo kafriyama. Kabo munafiyama, kabo kononjuyama, kabo hasidiyama, kabo fintiajugu belajenima, slamaya nyinfo anyene. No le nyana, iba ekene mala binya. Oko sa Allah kira ko alayhi sallatu wasalam. Sokokumuru nobe farsogo la, nyo sokokumuru nyana farsogo binya. No sokokumuru tchana farsogo bechen, akoye duskune. Anye folo olema, kan duskun sanyan. L'homme bien me sert guitare là. Nga, jusqu'où va sanya? Olé kanga kon onye. L'homme bien me dit n'abako kela. Nga, jusqu'où va sanya? Olé kanga kon onye. Jusqu'où fana te sanya ni safnaï? Abe sanya ni alakuma menile. Abe sanya ni alakofole. Abe sanya ni tarashi yi resiga miri. Ah, ni mou gomba heres ou la mandine. Est-ce que vous écoutez moi? Ah, au te kon mai. Ire bi ire wajulu, ilo nya dabla. Abi ke teni. No le nya na sisan. Kene mala sanya fiku mugo makobo olila. Kono na sanya tawhidu mugo makobe olila. Kene mala sanya ole betla gata tlan rofla fiku kitabu kono na fokita tri afanya na nyami. Ka fas ka kene mala sanya ka bo hadasu mugo ma. Anika sanya kabo khabasu nogoma.
ni ka ye an arabu kan fo jula kana ko hadasu khabasu sabu hadasu koroko jula kana anu ba fo jula kan hadasu koroko nogo khabasu refna koroko nogo afla be nogo li loni ka baba fo le mako lughatan ni tala arab kan mena ofel al hadasu najasatun al khabasu najasatun hadasu ye nogo li khabasu refna nogo li nga fiku karamo le ka hadasu nogo ta ka di nogo kerengen doma ka khabasu nogo ta ka di nogo kerengen fan doma olu ko bo nona no ta fla be fin kren le lugha arab kana ni ka me ko hadasu nogo nogo bisi yan ni no te nogo yere yere te nogo kitile dilama no te nogo yere yere te ni ka me ko khabasu nogo ole nogo jati e nyabe minge ni be fura famu hadasu nogo sen do le beno bola ifar sokola sen yere kote de ki far sokon nogo la men nogo mi ni anya tala sugune be bo a boyo le la men na bola ika tangajita ko yoron sanya moro ta be ku itegen nogo la itisa ma kwa ngala nogo do nogo te o ki itegen nogo la tokomne ikono bara nogo la o tuwa tele ni la o ko fo ni lani ne dobe fa corona bla ko ka ba bla ko no kan o aso sugune bole la e ka tangajita o nata be ima sergita ku no ronni e ko no bara fle ka tsa corona bla kan men ni wi la o ron na ka ta sergita itna ko no bara ko de men ni na la o ron a sa corona bla tuni e ba lon ka fo jaga hadasu no te hakli no goye no gote mi meye nga no ko kitile gila ma ka ben sharia ta ko nyama abe fo le ma ko hadasu no go o fana bi adama de farso soro ni sune boya wala ma sofe ko fe da ko matra wala ma fonyo wala ma maziu wala ma wadiu nunu nunu dola kren bula ko na barala hal na ke jabe ta i farso go be ko ni ma seljita wala me ma jena ba ko ko hal bi farso go no la donc si ka sanya kren kren ni ke o le bi farso go sanya nogo suguya filana o ye khabasu nogo ye o ye nogo yɛrɛ jaati min i yɛrɛ ɲa b'a la n'a nɔrɔni b'i farisogo la walama i ka fani na walama i ka seliyɔrɔ la o kosɔn ni sugunɛ bɔra i la fɛn fila de kɛra a mɛmɛ tan sugunɛ min bɔra i la ten i farisogo hadasu nogo ka sɔrɔ sugunɛ in yɛrɛ jaati ye khabasu ye n'a tilana ka nɔrɔ i farisogo la khabasu nɔrɔni b'i farisogo la fo silamɛ ka nin diferansi fila faamu. A ko ni nɔgɔ fila ni si tɛ se ka wuli ni nɔgɔ fila ni si tɛ se ka saniya fo ka kɛ ni ji le ye mɛ i m'a ye ni sugunɛ bɛ farisogo la ɛseke i bɛ seliji de ta ɔn i b'a ko dɔrɔn de ka bɔ a la misali la i ka seliji ta so kɔnɔ i natɔ denmisɛnnin dɔ ka sugunɛ kɛ i kan ni nana se i tɛ seliji sigi dɛ i bɛ ji kɛ k'o yɔrɔ dɔrɔn de ko a bɛ fɔ o de ma ko khabasu donc a fila si tɛ se ka ɲɛ ji kɔ mɛ ji sugu jumɛn. Ji min n'a ka sani n'a bɛ se ka saniya kɛ mankutu fila de b'a la ji le nka a ka sani wa a bɛ se ka saniya kɛ ah jaga ji dɔ bɛ yen a ka sani ma tɛ se ka saniya kɛ jaga ji dɔ bɛ yen ji le kɔni ma ma sani kuma tɛ ka fɔ k'a bɛ saniya kɛ sariya bɛ ji jumɛn le wele k'a ka sani a bɛ se ka saniya kɛ o ye ji min n'a a suma ma yɛlɛma walima a kasa ma yɛlɛma a nɔnɔnya a kulɛri ma yɛlɛma a diya ma yɛlɛma ni ka ɲininkali kɛ ko o tuma na nɔnɔya kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ ji la wa kasa kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ ji la wa diya kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ ji la n ko ɔn scientifiques ko couleur tɛ ji la diya t'a la kasa t'a la mɛ munna sariya ka o kuma fɔ a ko ji min bɛ sɔrɔ dugukolo na dɛ dugukolo kɔsɔn i b'a sɔrɔ kasa kɛrɛnkɛrɛn dɔ bɛ se ka k'a la dugukolo kɔsɔn couleur kɛrɛnkɛrɛn dɔ bɛ k'a la dugukolo kɔsɔn diya kɛrɛnkɛrɛn dɔ bɛ k'a la o diya n'o kasa n'o couleur dɛ a kana yɛlɛma ka bɔ o de la ko n ɲɛ bɛ ji n'a wulenna ten mɛ dugukolo de kɔsɔn a wulenna sariya ko k'a ka sani i ɲɛ b'a wuleman na ten ni fɛn dɔ nana ka na bɔ wulenya ka kɛ nɛrɛmuguma ye ko o wagati la ji a ma a tɛ se ka saniya kɛ tugun ji min n'a kulɛri ma yɛlɛma a kasa ma yɛlɛma a diya ma yɛlɛma a fana a ma yɛlɛma ni fɛn ye min ni ji tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma caman ni ka mɛn ko ji tulu tɛ sɔrɔ yɔrɔ la ni ka mɛn ko ji safinɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ la ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ
tout le monde s'est chuté. Donc, ni tout le monde a dit là, tout le monde a dit là, tout le monde a dit là, mais il y a des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs. Oula, au fait, dit que nous avons fait tout le bala, nare bala, tout le monde fait un bébala, bigan toroporosi noro, bigan ka sugune naka, bomin men nor afasola, ani noro subie. Nga, femini dit que nous avons fait machama, il a fait tchentien, il a fait borofin, il a fait korodoukolo, il a fait ngene, femini me falendila. Nous avons dit que nous avons fait la mais nous avons fait la forêt. Nous avons fait la forêt. Nous avons fait la couleur. Nous avons fait la couleur. Nous avons fait la forêt. 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 Amelon Irona, Nala Sana Shawre, Amitranaï. Subhanaka Allahumma alhamdika nashana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.